Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Oxygène Not Include avec la mise à jour, l'expressive update. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui change avec cette mise à jour. Déjà, ça va se situer au niveau de la santé pour commencer. Au niveau santé, on va avoir maintenant le moral. Donc vous voyez le premier chiffre et le second. Le premier chiffre, c'est l'update. Donc voilà combien il a actuellement. Et le deuxième, c'est combien il doit avoir. S'il n'obtient pas cette note de morale, eh bien ça va faire chuter un petit peu son stress et ainsi de suite. Donc là, on voit par exemple que pour Gossman, il a 21, c'est ce qu'il a actuellement. 1 pour le duplicant et 20 pour toutes les aides qu'il y a autour. Ça fait 21 et il a besoin de 8. D'accord. Et on voit que pour tous nos duplicants, ben on s'en sort bien, on est toujours au-dessus. Donc ça c'est bon, ça veut dire qu'on va pas devoir recommencer une nouvelle partie à ce niveau-là. Maintenant on va voir peut-être qu'on va devoir recommencer une nouvelle partie pour d'autres raisons. Le rapport, il n'y a rien qui change. Au niveau recherche, je pense qu'il y a de nouvelles recherches disponibles. On regarde le Precisink, la machine à expresso, voilà, c'est tout à fait nouveau, cette machine à expresso. Je regarde ici au-dessus, non, c'est pas là. Les bacs convoyeurs, tout ça, four à verrier, dalle de bunker, porte de bunker, c'est pas là non plus. Je sais qu'il y a des nouveaux, des autres crafts. Hein. Voilà, ici, le jukebox. Le jukebox qui est un nouveau craft, on va voir à quoi il va nous servir le jukebox. Et je pense qu'il doit y en avoir un autre, mais je ne sais pas où il se cache. Coucou, tu es où? Je ne le vois pas. Cherchons encore un petit peu avant d'abandonner totalement la recherche. Tac, 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 tac. Je ne vois pas. C'est la bande d'arcade, en fait. Et j'aimerais bien trouver cette bande d'arcade. Que je ne vois pas. Il y a du papier peint maintenant, oui, bien sûr. Des dalles vitrées. Mais non, je ne le vois pas là. Donc, on va voir au niveau la suite des crafts. Bon, ben, ça, en mission, vous voyez que maintenant, les tiers, ben, c'est le moral qui va être changé. Donc, pour avoir les plus gros, il va falloir ben, les morales au maximum. Hein. On voit Camille, par exemple, étant plus 20. Et donc au niveau santé, Camille est à 21 sur 20, donc elle est limite. Niveau consommable, ben, on voit un petit peu la jauge sur le moral aussi. Hein. Vous voyez, c'est du moral moins 1, là c'est du moral 0 pour ceux-là. Donc il faut que j'arrête la nourriture de base pour vraiment faire la bouillie de boue, les baies velues, les pains de larves. Voilà, pour avoir un moral 0 et ne pas diminuer le moral. Bon, maintenant, il y a ceux qui vont bien augmenter. Là, ça sert à rien en moral. Avoir du plus 16 grâce au barbecue, au pain de poivre, à la baie farcie et autres. Au niveau craft ici, ben, on ne l'a pas. Mais par contre, on devrait avoir... Je vois pas. Tac, 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 tac. Plaque de jonction, transfo... En aliments, il n'y a rien non plus. Plomberie, bah, il n'y aura rien logiquement. En ventilation non plus. En raffinage non plus. En soins, bah, on a le lit médical qui apparaît maintenant dans les soins qui était déjà, mais la table de massage. En mobilier, bah, vous voyez qu'on a le jukebox et la machine expresso. Water cooler. Provide a gathering place for duplicate during leisure time. En station, ben on n'a pas de nouvelles choses. Tondé Draco, ouais, ça va être intéressant de pouvoir le faire. En divers, bon, ben rien ici. En automatisation, non plus. Et en convoi, on n'a rien développé. Donc, il n'y aurait pas le jukebox. Il me semblait qu'on devait avoir le jukebox. Mais c'est peut-être qu'il nous manque quelque chose. Je regarde les titres maintenant au cas où. Valve, transport, forge, précision, protection, maison luxueuse. Non. Au niveau des pièces, au niveau des calques des pièces, vous voyez que maintenant on a des pièces de deux types. Vous avez la washroom et les latrines. Les latrines avec une station de lavage. Donc si par exemple on vient ici, on est sur la washroom. Pourquoi ? Parce qu'on a les toilettes qui sont améliorées.
Donc les toilettes améliorées, l'évier amélioré. Et ça, ben, ça va augmenter plus le moral, alors que l'autre va faire du stress. Pour le dortoir, ben, vous voyez ici, on est sur un dortoir. Pour avoir le bedroom, il faut le lit luxueux, pas de machine industrielle. Tout simplement, il faut les lits luxueux. La salle à manger, elle est ici. On est en salle à manger. Pour que ce soit un great hall, il faut table d'hôte. Et pour ça, il faut table d'hôte. Et plus 20 en décor en intérieur. Et là, on n'est pas en plus 20. On est à combien en décor intérieur? Il n'en parle pas, donc il va falloir augmenter un petit peu le décor. Mais normalement, on devrait être au-dessus, on devrait être en Great Hall. Enfin bon, une aire médicale et une clinique de massage. Là, c'est la serre. Là, c'est les tables. Et la pièce récréative. Il faut pas de machine industrielle, des objets décoratifs et de l'équipement récréatif. Donc ça, c'est une pièce qu'on va devoir faire. Pour la table de massage, on avait commencé à faire ici. Donc on va pouvoir nous faire une pièce. On va la faire en priorité. Justement, pour accélérer ça, bon, on va le faire en Wolframite. Là. Là et simplement des dalles. On va leur demander de faire ça en priorité. On est sur du 3, là on est sur du 8. So oui, je suis parti sur une nouvelle construction ici pour pouvoir sortir l'eau qui est là et l'amener dans ma base. Mais bon, c'est long. J'ai toujours mes problèmes de câbles. J'ai des problèmes debout, donc voilà, il y a énormément de problèmes, donc je vais devoir recommencer une nouvelle partie avec ce qu'on a appris ici, nouvelle saison, ça je vous le dis tout de suite, mais je vais terminer cette pièce-ci avec vous pour pouvoir voir justement, bon, on a de la boue là, on pourra aller la chercher la boue et les algues au passage. Ici, ils sont contents, ils ont assez de choses. Donc on a vu les surcharges qu'on a pu avoir, tous les problèmes qu'on a pu avoir justement à ce niveau-là. Bon là, comme tous les câbles sont pétés, ça ne le fait pas. Là, on va pouvoir remettre de la boue. On n'a plus de nourriture, comme vous le voyez, parce qu'on n'a plus de boue. On a mal géré le truc. Donc franchement, là, on va droit dans un mur. Mais donc, on va se limiter un petit peu. Il manque de fertilisation, on n'a pas bien géré l'histoire. On va essayer de fermer cette pièce. Et on sait qu'on va recommencer une partie. Regardez, même au niveau oxygène, je suis mal. Donc la partie ici, elle est vouée à l'échec, mais j'aurai appris pas mal de choses sur cette partie. Donc on va pouvoir recommencer une nouvelle partie où là aussi il y a des petites différences. Tiens, toi si je te tonds, qu'est-ce que j'obtiens? Fibre de roseau. Ben c'est exceptionnel, c'est ce que j'avais besoin aussi pour la suite des fibres de roseau. Donc ça aussi, par la suite, il va falloir beaucoup plus vite, enfin, faire un élevage de gréco et beaucoup plus vite faire un élevage de gloutons qu'on va nourrir, bien sûr, hein. Là où on a fait l'erreur dans la nourriture. Oui, c'est dans le distributeur, dans le bébé glouton. On leur donnait de la boue. Ben, il fallait surtout pas leur donner de la boue, hein. Il fallait leur donner tout à fait autre chose que de la boue. De l'argile, par exemple, des baies farcies ou des choses comme ça. Mais pas de la boue. Ça, c'est une erreur que l'on a commise. De leur donner de la boue. C'est con, mais la boue, voilà, elle est utile. L'utile, vous allez me dire, on en a quand même en quantité, mais regardez, là j'arrive à un moment où je n'ai plus de boue, donc il va falloir que je trouve un moyen de récupérer de la boue aussi. Toi, tu fais de l'oxygène pollué qu'on transforme en oxygène, donc tu es aussi une source d'oxygène. Le système ici, ben, fonctionnait bien tant que la cheminée à vapeur fonctionnait, donc on sait que ça fonctionne, hein. Pénurie alimentaire, chaîne du clockwork. Parce que j'ai aussi oublié de vous montrer ceci. Voilà, on va pouvoir leur donner des moments, ben voilà, les moments pour se laver, les moments pour travailler, les moments pour se reposer, les moments pour aller au lit. Donc on va pouvoir faire différentes équipes, équipe de jour, équipe de nuit, donc ça c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Je veux vraiment terminer cette pièce-ci,
pour terminer cette saison, hein, parce que vous voyez qu'on est dans la mouise dans cette saison. On ne sait malheureusement pas faire autrement. On pourrait tenter de sauver cette partie, mais voilà, je le sens mal à cause de ce système de boue, de tout ce qu'on a là. Voilà, c'est pas l'idéal, hein. C'est pas l'idéal, on leur dit d'aller taper de l'argile, ils vont pas taper d'argile, pourtant je dois en avoir de l'argile. Oui, j'ai 14 tonnes d'argile, donc voilà, donc ce système-là, ça fonctionne, mais de manière modérée, hein. Voilà, là, ils vont manger. Allez, terminez-moi cette pièce. Bon, pour le reste, vous voyez, j'avais mis des roseaux ici, parce que j'avais commencé à faire des vêtements là, justement pour mes duplicants, pour qu'il n'ait plus froid, pour qu'il n'y ait plus de soucis à ce niveau-là. Le traitement de l'eau, bah, il se fait ici, hein, et vous voyez qu'ici, bah, j'ai beaucoup moins de germes. Dès que je me rapproche là-bas, je n'ai plus de germes. Donc l'eau commence vraiment à être traitée correctement. On pourrait penser à ouvrir ici. On a une eau relativement froide en plus. Voilà, et la pièce là qui ne se termine pas. Famine, ben oui, on n'a plus rien à manger, les gars, je sais. Non, pas la dalle, mais le câble qu'il faut accélérer la réparation. Vous voyez, quand ils se croisent, ils discutent, hein. Là, on creusait pour avoir de l'or, hein. On descendait et on va finir bien sûr avec le mode bac à sable. On va déclencher le mode bac à sable pour savoir où on était par rapport à la surface. Surface que l'on devra atteindre absolument dans la prochaine saison. Dans la prochaine saison, on va avoir 5 semaines avant la prochaine mage. Donc on va avoir un petit peu plus de temps ici. Il me restait une semaine et demie quand j'ai commencé la vidéo. Bon, on a vu ici que c'était un petit peu limite. Alors ce que je reproche par contre, c'est bien, on a un planning ici. Mais on ne voit pas où ça se trouve sur le cycle. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, c'est fait. Est-ce qu'on a la pièce maintenant? On n'a toujours pas la pièce. Pour avoir ça, il faut table de massage et un élément décoratif. Voilà, là, vous voyez, ils rouspètent, ils discutent entre eux, donc le moral descend. Vous voyez qu'on est quand même à 27, hein, parce que moral helper, plateforme, downtime, confortable, mess hall, grizzly meal. Donc on a vraiment tout ça qui intervient. On voit vraiment le système immunitaire consommé aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas mangé du tout, hein. Mia, par exemple, voilà, elle est affamée, crasseuse. C'est pas du tout l'idéal, hein, la partie telle qu'elle est là. On pourrait voir, est-ce qu'on a des œufs de quelque chose. Même pas des œufs de Gréco. On aura plus simple de venir ici au niveau des œufs. Alors, les œufs totalement vides. Hein. Et voilà. Et là, on a la clinique de massage. Qui va enlever beaucoup moins de stress que l'autre. Ici, on a l'air médical. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs, mais il y a des petites différences quand même. Donc, beaucoup plus de pièces à pouvoir faire. Il y a la pièce récréative qui n'est pas encore faite. Ami le bazar. Voilà, donc on est dans une partie qui est vouée à l'échec. Je vous parlais justement de partir en mode bac à sable. En option, débloquer le mode bac à sable, activer le mode bac à sable. Et on va pouvoir voir un petit peu où on en était dans cette partie, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est pas nettoyer, peindre, prélever, canon, créer, révéler. Voilà. Et on va l'augmenter à fond. On va aller voir ici au-dessus si on était loin de la surface. Vous voyez, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente qu'on était vraiment pas loin de la surface. On a cette pièce-ci qui est très particulière. Qu'il va falloir visiter aussi.
Donc on n'était pas loin du tout d'y arriver à la surface. Et au niveau en dessous, ça c'est toujours le plus intéressant, ben, on n'était pas si loin que ça non plus de la dernière couche ici. Donc on allait vraiment avoir des choses qui allaient se débloquer. Hélas, on est perdu à partir du cycle 150. On n'avait plus de geysers de dispo, hormis ceux qu'on avait. Donc là, on allait commencer à pouvoir faire notre bunker, même si voilà, on avait cette pièce-ci. Parce que oui, nouveauté, on retire le bac à sable. On va pouvoir maintenant creuser. On devrait pouvoir commencer à creuser ces dalles-là. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Attendez, il faut que je retrouve, j'avais une salle ici. Eh ben non, on ne peut toujours pas creuser ces dalles. Et on peut toujours pas détruire ça. Bon, ça, normalement, c'était dans les mises à jour, dans ce qui était voulu par le développeur. Et donc voilà, je pense que dans cette vidéo, on aura vu pas mal de choses, on aura développé pas mal de choses. On va commencer une nouvelle saison. Bon, laissez-moi encore une petite semaine parce que j'ai des tests aussi à vous présenter. Hein. Donc laissez-moi encore une petite semaine avant les premiers épisodes. Là, je révèle quand même pour voir si j'ai loupé beaucoup. Pff, on a cherché si loin alors qu'on en avait un ici, de biome de glace. Au niveau pétrole, on avait un geyser là-bas en dessous. Hein. Réservoir de pétrole. On avait encore un biome de glace ici. Ouais, donc on n'avait plus de gros geysers. On n'avait pas de geyser d'hydrogène. Qui aurait pu bien nous aider. C'était ça, non, c'était ça, non, c'était ça non plus. Je ne sais plus c'était quel bouton pour pouvoir... Voilà. Donc voilà la carte telle qu'on l'avait. Bon, on était pas mal, hein. On était pas mal, on avait un beau petit cœur ici. On était déjà parti jusque là-haut, jusqu'ici en dessous. On était pas mal. Moi, je pense sérieusement qu'on était pas mal du tout. Mais bon, voilà, il y a le problème de la fin qui commence à se corriger, mais doucement, beaucoup trop doucement. Hein. Vous voyez, tac, on est redescendu déjà à 0 kcal. Ils vont tous commencer à crever l'un après l'autre. On n'a plus de... Bon, on a du charbon, vous allez me dire. On n'a plus d'algues, on n'a plus de vases. Les coquilles d'œufs, ça sert pour l'instant à rien. En tout cas, j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Donc voilà, moi je vais arrêter cette saison ici. Parce que de toute manière, il y a le nouveau patch. On n'a pas encore vu les transports. On a seulement commencé à toucher à l'élevage. Donc voilà, dans la prochaine saison, bah, l'élevage, on va devoir le commencer beaucoup plus tôt. On a vu qu'avec les hatches, c'était super important et que c'était super facile en même temps. Donc sur ce, mes petits loulous, bah, désolé d'arrêter cette saison-là. Mais il va falloir en recommencer une nouvelle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.